Bonjour à tous les amis, ici le cake et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, petite vidéo réaction sur une vidéo de Lina. Alors, qu'est-ce que c'est les vidéos de Lina pour ceux qui savent pas? En gros c'est des archives de l'ancien temps, de l'autre monde. Et j'aime bien de temps en temps regarder ces vidéos parce qu'on apprend des choses sur le passé, donc des fois c'est sur les années 60, années 50, on apprend des choses, on voit un peu des fois des gamins qui sont à la cantine et qui boivent du vin rouge, qui fument des clopes, on voit que c'était pas du tout pareil avant. Et là, je suis tombé sur un reportage, je l'ai jamais vu. J'ai juste cliqué dessus, c'est la génération tectonique. Alors, si vous êtes né dans les années 90, comme moi, vous avez connu la tectonique genre au collège. Si vous êtes né après, vous avez probablement pas connu. Si vous êtes né avant, vous avez connu, mais vous avez probablement oublié car vous êtes vieux et vous avez Alzheimer. Qu'est-ce qui s'est passé avec la tectonique? C'était un mouvement qui a duré à peu près un an, pas plus. Moi je me rappelle, j'étais en 3ème je crois ou 4ème. Il y avait des gogoles dans la cour du collège qui dansaient avec des mouvements à vous rendre complètement taré. Et voilà, en fait, c'est tout. C'était juste une danse ridicule avec une musique techno complètement folle. Et les gens écoutaient Mondotech à fond et dansaient dans les cours de récré. Et franchement, les gens qui faisaient ça, je sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais à mon avis, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, quoi. On va voir ça tout de suite. Une nouvelle mode chez les jeunes, la tectonique, cette danse très spectaculaire, a vu le jour dans une boîte de nuit à Reims. Alors déjà, là, on voit... là, on a l'impression de regarder un journal télé des années 70, alors que, c'était en 2007, quoi, vous vous rendez compte? 2007, je vais avoir quoi, 15 ans, 14 ans? Ouais, bah c'est ça, du coup, collège, c'était la mode de la tectonique. On regarde, vous inquiétez pas. Reims, elle s'est propagée grâce à Internet. Les jeunes filment leurs performances pour les diffuser sur la toile. À Paris, les adeptes ont rendez-vous au Halles et au Trocadéro. Regardez le reportage d'Alexandra Elkaïm et Norbert Cohen. C'est une première, une après-midi électro organisée dans la plus mythique. Alors voilà, regardez bien les mouvements parce que tout est basé là-dessus. Tout est basé sur ces mouvements un peu épileptiques, complètement zinzin. Enfin, vous voyez, il remue les bras dans tous les sens, ça va à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça fait les moulins. Il y avait des chorégraphies où les gens te disaient parce qu'ils pensaient que c'était vraiment de la vraie danse et tout, et ils te disaient ouais, il faut faire le moulin, il faut faire le vomi, il faut faire le coiffage et tout. Putain, les gens qui dansaient ça, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Peut-être c'était pour séduire des meufs, je sais pas. Des salles de musique à Paris. L'Olympia, transformé pour l'occasion en gigantesque piste de danse. Et vous vous en rappelez de ça aussi? Les cheveux, ah, les mecs ils étaient coiffés n'importe quoi, n'importe comment, c'était un vrai scandale. Franchement, la mode d'aujourd'hui, un peu avec les cheveux bleus, les vêtements un peu de toutes les couleurs et tout, à côté, c'est beaucoup mieux. On dit souvent, c'était mieux avant, ça c'était pas mieux, hein. Ça, franchement c'était même plutôt pire. Singulière que des milliers de jeunes ont adopté ces derniers mois, la tectonique. Un peu partout, dans Paris, le phénomène s'étend. Au Trocadéro, Alex. Voilà, vous imaginez, c'était il y a 15 ans. Hein. Vous imaginez ces mecs qui sont devenus pères de famille, ils travaillent dans des banques, ils bossent à la défense maintenant, et ils regardent par la fenêtre, comme ça, par la fenêtre de leur building, et ils regardent en bas et se disent putain, j'étais là en bas et je dansais la tectonique, j'avais la classe. Alex, 14 ans, retrouve chaque samedi ses amis. Il danse depuis 4 mois. C'est ma sœur. Elle est rentrée de boîte, elle m'a dit bah tiens, il danse une danse en boîte et elle m'a montré des vidéos sur internet. Elle t'a montré des vidéos pour se foutre de leur gueule et toi tu t'es dit tiens, si je dansais ça, putain, abruti va. Et c'est comme ça que j'ai appris. Con Alex. Enfin, que j'ai connu la danse. Il y a de la break, ça dépend. Il y a les mouvements. Il y a les mouvements waving, on va dire. J'accélère. Il y en a plein. Comme ça. À cette danse. Ils vont danser encore de manière plus épileptique. La tectonique est apparue au Métropolis il y a 7 ans. Un concept de soirée de musique électronique importée de Belgique, lancé par cette boîte. Ah bon, c'est bon. Je croyais que c'était français. C'est belge. Dans ce cas, ça va. De nuit, de Reims. Aujourd'hui, la tectonique est sortie des pistes de danse. Ouais, Reims, en fait, ça vient du Nord, quoi. Et c'est toute une partie de la jeunesse de 13 à 20 ans qui se reconnaît dans ce mouvement. Il a son code vestimentaire, t-shirt au logo fluo personnalisé et une coupe de cheveux réglementaire la plus demandée depuis un an dans ce salon branché. Allez, mais les gars, ils sont dans un salon de coiffure et ils dansent. Ouais, ils me fatiguent. Franchement, c'est... Crête avec un dégradé devant et assez court sur les côtés pour qu'on voit bien la crête.
Le phénomène touche aujourd'hui la France entière, un engouement massif relayé par Internet. La plupart des jeunes filment leurs exploits avant de les mettre en ligne. Si vous n'avez pas connu ça, franchement, bravo à vous et je pense que vous vous portez bien mieux. Si par contre, vous faisiez partie de ces gens qui dansaient le tectonique... Et de l'énergie à revendre, voilà les ingrédients de la tectonique. Voilà les ingrédients du malaise. 5 salles de danse pleines à craquer et des milliers de tectonic killers, comme ils se surnomment. Les tectonic killers, oh là là. Moi je me souviens dans mon collège, c'était un collège de campagne, il y en avait pas beaucoup, hein. Il y en avait 2 ou 3. Je les détestais. D'âge 18 ans. C'est ici qu'il y a 7 ans, le patron a importé le phénomène d'Angleterre, un mélange de house et de techno, dont il a su faire une marque à part entière. Ok, et puis il y a un petit côté anglais dans tout ça, donc... Oh, j'ai des frissons de malaise qui me parcourent rien quand je revois ça. On danse, on s'habille et on boit tectonique. Comme pour les combats de boxe, un ring. Tectonique, killer, killeuse... J'ai vomi. Tétine, piercing fluo et brassard indispensable. Tétine, putain, c'est vrai. Il y en avait au collège qui accrochaient des tétines fluo à leur sac à dos. Pff, quel malaise. Ce marketing n'est pas au goût de tous. Ces jeunes ont été les premiers à diffuser cette danse sur Internet. Depuis chaque mois, ils investissent... Mais regardez-moi ça. Au goût de tous. Ces jeunes... Regardez-moi ces gros dingos, là. ...ont été les premiers à diffuser cette danse sur Internet. Depuis chaque mois, ils investissent les rues de Paris et refusent d'être récupérés. Phénomène de mode ou mouvement durable? Elle s'exporte peu à peu dans les villes de province. Oui, oui, mouvement durable. On sait tous comment ça a fini. Ok, merci Lina pour ce reportage plein de bon sens et ça me fait vraiment plaisir de revivre mes plus belles années, mes années de préadolescence. Où les gens étaient visiblement encore plus cons que maintenant. Ah, j'ai encore la gorge qui gratte face à tant de malaise. Et vous alors, est-ce que vous étiez un tectonique killer? Est-ce que vous dansiez la tectonique sous le regard amusé de vos camarades féminines qui étaient automatiquement amoureuses de vous? À vous de me le dire. Si ça vous rappelle des bons souvenirs, dites-le moi aussi. Moi, je veux tout savoir. Merci, et puis au revoir.